Voilà notre nouvelle. Eh bien, c'est un grand plaisir d'être à Toulouse, chez moi. Et de vous commenter cette partie où on va y avoir 6 amis à moi. Nos 3 champions du monde qu'on connaît tous. Et Fabien Barr, Dylan Nexon et Luc Lai, que je connais très bien parce que j'ai joué 10 ans à Toulouse, donc je les connais très bien. Et ça me fait plaisir, ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous. On va essayer de vous retransmettre cette partie avec grand plaisir avec un des pétants en Belgique surtout. Et c'est un honneur. Voilà. On va essayer, avant la partie, de vous avoir les joueurs. On va avoir leur avis. Je regarde autour de moi si je peux avoir quelqu'un. Moi, c'est probable. Je vais faire la liste à Philippe. Et... Je vais faire la liste avant. Philippe! Philippe! Voilà, on va avoir l'honneur d'avoir Philippe qui a été parmi nous. Ah, on va essayer de... qui va nous rendre une. Voilà. Voilà. Bien sûr. Le maître est là. Philippe! Quel grand plaisir de t'avoir à Toulouse. Également. Le monsieur qu'on connaît, avec le pas mal que tu as, et surtout la gentillesse que tu as, et ouais. Le respect que tu as. Je préfère qu'on parle de ça que du palmarès. Le palmarès, on compte. Ouais, d'accord, mais bon. Le palmarès, il est là, tant mieux. Et... Ouais, mais. C'est la santé et le plaisir. Je suis d'accord avec toi, Philippe. Mais ce que tu représentes, qui pour moi. Je suis un grand joueur de pétanque. Ce que tu représentes, c'est phénoménal. Et l'exemple que tu représentes, c'est grand. C'est grand. Et bravo et un grand merci pour toutes ces personnes qui te regardent. Merci. Eh bien, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez vous régaler. Voilà. On va faire pour le mieux. Voilà. C'est bien gentil. Merci. Bonne soirée. Très bonne partie. Bonne soirée. Et bien voilà. Vous avez assisté à. Voilà, on va essayer de vous avoir Philippe Suchaud qui ne doit pas être loin. Il est là-bas, mais il part. On va essayer de vous faire découvrir tous ces champions en fait. Il est où notre Fifi ? Philippe ! Voilà, on a Philippe Suchaud qui arrive. Alors, voilà. C'est la télévision belge. Eh bien tant mieux. Ça va ? Soit mignon. On voulait les internautes voulaient te remercier pour le grand monsieur que tu es et le respect que tu donnes à ce sport et cette expression qui est le Sucho Times. Ah oui. Explique-nous. Comment tu fais comment... Mais moi j'en sais rien mon vieux. Non, explique-nous comment tu fais pour Sucho Times que quand tu es. Le petit baigneur qui se balade sur le terrain, quoi. Les deux dernières mètres, tu nous fais 4 carreaux pour être champion du monde. Explique-moi. C'est inné. Tu... Ah, c'est inné. C'est un don, qu'est-ce que tu veux faire? C'est gentil. Moi-même, je ne sais pas. Je peux pas te le dire. Ah, voilà, d'accord. Je comprends rien. Mais par contre, merci pour ce que tu apportes à la pétanque et merci pour la personne que tu es. Merci. Voilà, alors, fais ce qu'on peut. Hein. Voilà. Bonne partie. En espérant être olympique un jour. Hein? En espérant être olympique un jour. D'accord. Eh oui, papa. Voilà. C'est le direct. C'est le direct, c'est sympa. On a l'occasion d'avoir ces champions en direct. C'est ce que j'expliquais aux amis d'attentat en disant c'était une surprise à 18h. Ben voilà, ça devait être une surprise. Hélas, j'ai une très mauvaise connexion internet. Par contre, je vais enregistrer
tout ce qui se passe là. Vous diffuserez après sur YouTube et après les gens peuvent regarder en différé, sans coupure, sans rien. Ici aujourd'hui le direct il va être très moyen, mais bon. Après on va voir tout ça. Mais voilà, on va faire avec. On va essayer. On va essayer un maximum de vous donner le plus possible de réaction des joueurs, parce que il nous manque le champion de France qui n'ont pas encore eu l'occasion de donner leur ressenti, parce que c'est quand même l'Ariège qui était le 09, le comité à côté de Toulouse, qui sont champions de France avec Fabien Barre, Luc Lai et Dylan Nixon. C'est magnifique pour un petit comité d'avoir ces champions parmi nous. Je regarde autour de moi. On va essayer d'avoir Dylan Rocher. On va essayer d'avoir Dylan Rocher. Dylan. Voilà, on va avoir Dylan Rocher qui va venir nous rendre une petite visite. Dylan, un petit direct pour nos amateurs belges. Bravo déjà. Non, tu parleras quand moi j'aurais décidé qu'il parle. Bravo. Pour nos amis les Belges, j'espère que vous allez comprendre tout ce qu'il va dire, parce que c'est que des fois il a du mal un peu à parler. Voilà. Bravo pour tout ce que tu fais, tout ce que tu apportes à ce sport à ton jeune âge. Et respect. Respect et merci pour ta sympathie. Voilà. Merci à tous et à toi, et coucou la Belgique. Voilà. Merci Dylan. Très bien. Et voilà. Il nous manque nos champions de France, qu'on n'a pas la chance d'avoir autour de nous à l'heure actuelle. Voilà, celui-là ça va. Et tiens. Nickel. Ouais. C'est quand tu fais ça, tu me suis. Ça va? Quand tu es là, tu veux réessayer aussi. Ouais, c'est bon. Je ne touche plus à l'autre. Je suis champion de France de 3e division en 2017. On n'a pas l'occasion de les avoir. Ils sont à 2 mètres de moi, c'est des amis. On n'a pas l'occasion de les avoir parce que le présentateur présente la partie que vous allez voir en direct. C'est dommage, mais je vous promets qu'on fera une interview à la fin de la partie des trois champions de France. Voilà. Voilà. Voilà, Fabien Barre, double champion de France. C'est pas le premier maillot qu'il a. Bravo Luc! Voilà. Une belle équipe d'amis sur plan de France. Bravo Dylan! C'est beau, bravo. Avec Fabien Barre, le deuxième maillot qu'ils ont gagné, c'est pas le premier qu'ils ont, c'est le deuxième. C'est impressionnant. On rêve tous d'en gagner un. Et là, ils en ont deux. Bon, là, par contre, après. Là, c'est du. Ouais. Voilà, c'est le Sucho Times. Et pour vous faire vivre ça en direct. À trois reprises, la finale PPF, quatre fois la Marseillaise, trois fois les Masters en pétanque, quatre trophées de Lille, deux Coupes de France, deux Coupes d'Europe. Philippe Gandet. Dylan. C'est beau, bravo. Il a remporté deux grandes finales européennes.
Et là, on arrive au monstruon. Philippe Catin. Voilà. Et ça le mérite. Ah là là. Ça le mérite. Bravo. Voilà les amis, vous êtes en direct ce soir pour cette grande exhibition qui rassemble les champions de France et des nombreux titres. Tu peux parler, vas-y, parce que j'ai besoin. On va faire un micro à deux parce qu'à deux ça fait écho. Okay. Je voudrais remercier Madame la députée Vignon
plus mal à reprendre. Donc, non, c'est pas grave, comme je t'ai dit, c'est enregistré, tout ça va être bien mis ce soir. Quand je rentre à mon aise, je vais diffuser ça sur YouTube et puis je mettrai le lien, comme ça les gens regardent à leur aise. C'est clair que c'est un travail énorme. Hein. Ouais. Ben oui, ben, tu es bien mis pour en parler, Alain, parce que toi qui organises des concours en Belgique, tu sais ce que c'est. Ouais, tout à fait. Et là, tu es sur des champions de France, des champions du monde titrés. Donc, tu peux te rendre compte de ce que c'est cette organisation. Tout à fait, tout à fait. Comme la bruxelloise. C'est pareil, voilà. Bon, on le voit, hein, leur sourire sur les lèvres des organisateurs, parce que bah, ah ben c'est normal, ils sont arrivés à l'extase. Là c'est l'extase pour eux. De leur projet, parce qu'il faut quand même dire que c'est un projet sur 2 mois de temps qu'ils ont monté ici à Toulouse. Tout à fait. Ouais. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Alors l'année prochaine, il va me faire venir aussi au niveau du son, hein, pour la sonore. À l'intérieur. Ouais, il y a du travail. Ouais, bah, bien sûr. Il y a toujours des choses à peaufiner. Voilà. À l'intérieur, c'est sympa, l'orchestre. C'était bien. Le coin VIP est extraordinaire. Tout à fait. Ça passe plus, il n'y a plus rien qui passe là. T'as une connexion, toi ? Moi, GSM. Pourquoi la durée ? T'as pas une collection illimitée, toi ? Mais moi, je l'ai, moi. Moi, je l'ai. Bah ouais, mais tu connais ton... Bah lui, là. Bah oui, je l'ai. Bah, on va essayer. Mais je sais pas comment on fait. Alors, tu dois... L'animation, ce qui est en train de se créer ce soir autour de votre passion à tous. Et là, ce soir, c'est beaucoup d'émotions. C'est la rencontre de gens passionnés autour de la pétanque. C'est quand même le fief de la pétanque, notre région. Et donc, quand il y a de la passion, quand il y a de l'émotion, il y a de la vie. Et après 2 ans qu'on vient de vivre, et bien, je peux vous dire qu'on est vraiment heureux de voir cette ville ensemble, tous ensemble ce soir. Et nous, on est ensemble. C'est pas pour moi, mesdames et messieurs, bonsoir. Écoutez, je suis ravie de voir tous ces visages, ces sourires, pour la diversité. C'est une très possible, belle c'est toi ça, Oppo. Ouais, c'est moi. Tout d'abord, félicitations à ce monsieur. Parce que alors moi, je peux vous dire, si je jouais à la pétanque, entrez une clé. Il y aurait des morts ici. Chou, chérie, Corinne, en fait, oui, bonjour l'équipe, bonjour l'adversaire, on essaye de l'éloigner, hein, je crois, et puis au bout du compte, la principale, c'est de gagner, donc c'est très proche. Alors, ce soir, je voulais rendre hommage. Remercie déjà, bien évidemment, Madame le maire qui nous accueille, parce que c'est vraiment une très très belle salle. Et rendre hommage à Monet et Marco. Monet, tu m'écoutes ou quoi ? Ah merde. Bon. Et alors, pour les honorer, j'ai envie de leur offrir un petit cadeau. Pourquoi ? Essaye de prendre la chaise si tu veux bien, là. Une bleue, là. Oui, parce que j'en ai besoin pour ici. Je vais descendre la caméra parce qu'il y a un souci dans... Alors, je vais leur offrir
Non, non, non. On n'a pas. La médaille de l'Assemblée nationale, gravée à leur nom. J'ai pas de nom. Normalement, oui. Je tu vois, quand il y a sur sa connexion, tu dois mettre un mot de passe, quoi. C'est pas le mot de passe qu'on a de chez nous, de la vie. Quand tu as un mot de passe, pas. Non, c'est je vois pas, il n'y a rien à voir ici. J'ai pas t'aider. Voilà. Et donc, mon cher Marco, c'est avec grand joie que tu le mérites, cette médaille gravée à ton nom, et donc qui représente tout l'investissement que tu mets chaque jour pour bénéficier des citoyens. Par contre, les amis, je vais vous quitter 10 minutes parce que j'ai un rendez-vous ailleurs. Et je vais vous mettre au commentaire Fred Perrin, qui connaît tous ces champions pour avoir été champion de France, qui va prendre ma place pendant un certain temps, le temps de vous commander cette partie. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Voilà. Je mets Fred. Il va arriver. Je vais. Cette finale de cette exhibition est un peu longue, mais je crois qu'il y a tellement de monde à remercier que... Ah oui, il y a toujours du monde à... Voilà, Fred Perrin arrive, il va vous commenter cette partie pendant un certain temps, parce que lui, connaît ses champions par cœur, pour avoir été champion de France avec Suchot et Gaeté. Fred Perrin va prendre la place aux commentaires. Allez, bonsoir Fred. Bonsoir. Alors, à tout le monde. Tu vas nous parler un peu des champions de France d'abord. Ah, tu as été champion de France. Oui, avec Suchot et... Non, j'étais champion de France avec Fasinon et Ripen. Ah, voilà, ça commence à faire, c'était en 2005. Ouais. Mais bon. Allez, attends, on va te montrer. Voilà, voilà. Voilà Fred Perrin qui jouera demain avec Dr. Hilaret et Joël Marchandise. Voilà, on va commencer cette belle partie en espérant qu'on va voir. Enfin, on va voir du spectacle, ça. J'espère ça, aussi. C'est clair. Voilà. Ils ont envie de jouer. De toute façon, il y a du beau monde pour faire du spectacle. C'est normal. Voilà, voilà. Oui, il y a un peu embouteillage devant. Mais ça va se libérer. Le micro, comme ça, voilà. Yeah.
Ben voilà. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Je me concentre. Excuse-moi. Voilà, voilà. Tu peux parler à mon Fred ? Oui, oui, oui. Sans l'échauffement, il n'y a encore rien à dire. Sois pas timide. Hein. Tu peux parler à la Belgique. À Belgique, et maintenant, comme on partage énormément de Français vont suivre également. D'accord. Président de Saint-Orens qui lance le bouchon. Bravo, bravo. Ah, y a du monde. Oui, il y a du monde là pour cette partie. Du monde autour du terrain là. Ouais, tout à fait. Bouchon pour l'équipe de France. Les champions de France. Ouais. C'est donc Fabien Barre qui. Non, Dylan Nexon qui a envoyé le bouchon. Qui a envoyé, voilà. Ouais. Le plus grand avec ses lunettes, c'est donc Luc Ley. Ouais. Et là, c'est Fabien Barre. C'est Fabien Barre qui va venir pointer. Tout à fait. T'es chez moi là ? Non, pas encore. Ah, parce que j'ai zoomé. Ok, c'est bon ça. Parfait. Et ça c'est le. Allez, c'est parti. Et première boule, bien pointée. Tout à fait. On peut dire que le terrain est quand même difficile à la pointe. Très belle reprise de Philippe Carté. Magnifique. Bien tiré, sans contre, c'est parfait. Encore une belle reprise de Philippe Carté. Sa deuxième boule. Ah. Ouais. C'est la sienne qui est partie. Ouais. C'était un peu prévisible quand même. Oui, comme elles étaient mises. À 9 chances sur 10 que. En direct en même temps. Je sais pas si ça passe. Voilà. Encore un très bel appoint. Hein. Oui, oui, oui. Il a regagné le point. Ouais. Elle a quand même un peu plus roulé. Mais c'est repris. Alors, reprise de Philippe Suchot. C'est repris donc, c'est vraiment bon. Ouais. D'ici. Ouais, d'ici on a l'impression que les boules sont prêtes, mais ouais. La sortie. Apparemment, à la sortie, là, il y a quand même. Il y a un petit peu de marge. 60-70. Ouais, c'est ça. Pour détruire.
c'est manqué. Que la boule a roulé, perdu le point. Oui, c'est ça. Il reste trois boules. Hein. Trois boules. Ouais. Un beau rajout de Philippe Suchot. Fait 3. 3 par terre, oui. Éviter de jouer trop dans le bouchon pour pas casser les poids. Et voilà le quatrième. Ah, 4. Allez, très belle première main, 4 points. 4 à 0. Un peu moins de 10 mètres, mais... Pas bien. Je pourrais te demander de te mettre... C'est gentil. Merci. Bon. Oui, il est bon. Change chez moi, là. Ah, très, oui. Très belle la pointe qui est cantée. Essayer d'approcher une boule. Ouais, étonnant qu'il parte par la frappe directe. Ouais, c'est pas déjoué d'approcher une boule, on sait pas, tu peux venir gagner en devant de boule. Ou... Ouais, elle est légèrement. Il va la gagner, non? Ouais, je crois qu'il a gagné le choix, oui, elle est gagnée. Hein. Ça tenait toujours de pointer. Passer derrière. Tu n'as pas une connexion internet, toi, limitée? Je suis pas ça. Si tu mets en partage, on va essayer de. On va essayer de trouver. Parce que là, c'est pas d'avance, ça bloque, ça bloque. C'est bon. Attends, on va. Alors, c'est Tenzo? Hein? Tenzo? Non. C'est comment ton Tenzo?
C'est Orange. Mais le nom, t'as mis C'est l'iPhone 12. T'es en partage hein? Là, je suis, oui. Tu dois peut-être mettre ton wifi parce que c'est marqué non. Wifi non. Voilà. C'est que ça n'allait pas. Attends, on va essayer de trouver. Pour l'instant, on va essayer de suivre aussi. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Philippe Quintet regagne le poids. Mais assez loin quand même. Et Dylan Nexon vient de pointer. Il a perdu le point Philippe Quintet. Voilà. Tu es là. C'est connecté. Alors, je vais vite mettre. Il a regagné le point. Et en prenant un peu le bouchon, il a dû faire rentrer sa boule derrière. Donc, ils doivent avoir deux points par terre maintenant. C'est bon ? On va voir. Ça devrait avoir fonctionné. Ah ben c'est bon, c'est connecté là. Ah, Suchot a perdu le point. Perdu encore le point. Ouais. Ça passe pas mieux. Mais bon. Ça passe pas. Pas mieux en tout cas. De toute manière, pas grand chose à faire. La partie est enregistrée, elle sera diffusée demain correctement. Allez, on mesure. On mesure voir si le troisième y est. Ouais. Enfin, en second. Ah, sans bien pointer. Parce que si en tirant, il a le moindrement le contre sa boule, derrière, il tire à 3. Ouais. Joue là, on va essayer d'en faire deux. Et oui, voilà, le deuxième point bien planté. C'est rajouté, voilà. 4 à 2. Champion de France, puisqu'il marque 2 points sur cette semaine, champion de France 2, champion de France 4. Bon, ça fonctionne si. Oui, ça va. Parfois, oui. Ah, bah, champion de France, on raccourcit à l'envoi du bouchon. Ouais. Là, on est sur deux. 6 mètres 30, presque. Ouais, 6, 7 mètres. Ouais. 7 mètres, ouais. Bien pointé. C'est parfait. On est légèrement derrière, mais bon. C'est des boules qui polent toujours à savoir si on doit pointer, tirer. C'est toujours la même question, voilà, là, quand ça. Même. Mais bon, comme c'est un jeu qui est à peu près court, je pense qu'il perd ta bataille.
Ah, bravo. J'ai tiré la corde de Villavrosh. Bien tiré. Je pense que si on avait été le bouchon était à 10 mètres, ils auraient pointé une boule avant. Ouais. Et une boule. Une boule derrière est toujours ouais. Plus embêtante. Enfin, on hésite toujours. Surtout quand il y a 10 mètres, parce que c'est pas appétissant à tirer. Non. Ils ont commencé, ils vont continuer à tirer. Ils vont continuer. Ouais. Oh. Il a tiré, il vient de rocher encore. De toute façon, où ils vont la mettre, ils vont aller tirer. Donc, ouais. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Oh. Juste à droite de la boule. Juste à droite de la boule. Elle est repartie. Bon. Voilà. Maintenant, ils n'ont plus la boule de marque. Non. Boule pour Nexon, 2 pour Luc Lay. Il reste 2 boules en main pour Quintet, je pense. Hein. Ouais, 2 boules pour Philippe Quintet. Bon. Essayer de gagner le point sans le faire trop beau. Si Philippe Quintet vient faire un carreau, ça va être plus dur pour regagner le point derrière. Allez. Allez, encore faire tirer Quintet. En essayant de le gagner derrière. Oh, elle est fuyante, elle est fuyante. C'est bon. Ah oui, comme voilà. Il a dit, il ne peut pas mieux jouer. Il a joué à la perfection derrière. C'est bon, je pense que Philippe va pointer. Je pense aussi, ouais. Parce que si ouais, il va pointer. Voilà. Si le bonheur à venir gagner devant la boule, il ne pourra pas tirer. Voilà. Ah, c'est bien repris. C'est bien repris. Mais... il ne peut pas tirer. Il est obligé de pointer. C'est repris. Très bien pointé aussi. Un point de plus pour les champions de France. Voilà, comme vous l'avez entendu, on va jouer la quatrième main. Champion de France, 3 champions du monde, 4. On le voit bien. Belle approche de très bien. Encore très bien pointé. Allez Didi la foudre. À la frappe.
c'est parfait. Ouais. Pas les allonger. Ouais. Ça va. C'est repris. Alors, ils sont repartis tirés. Mal tombé. Oh, paf. Encore bien tiré. Eh oui. Allez, Dylan Nixon. Bien pointé. Il suffit. C'est mon chef, c'est poussé. C'est poussé. Deux pas par terre. Deux points par terre, trois boules à trois. Ouais. Ils partent chaque fois à la frappe. Ils font un petit palais, ils peuvent faire cinq points par terre. Cinq points. Parfait la boule, tout à fait. Allez, on compte de la boule de derrière. Ça change beaucoup de choses. Ça suffit peut-être pas. Il va rester les points au champion de France. Point l'équipe au champion de France. Ouais. Donc la situation a retourné maintenant. Voilà. Voilà. Belle reprise de Philippe Quintet. Toujours dans l'axe de la boule des champions de France. Il est fois. Ça venait à contrer. Oh, très bien tiré, deux points pour les champions de France. Donc voilà pour ceux qui s'inquiètent un peu des coupures, du bug. La partie est enregistrée, quoi qu'il arrive demain. Vous pourrez la regarder en intégralité, sans coupure. On a une connexion internet très très faible. Voilà le pourquoi. Oh. 3 points pour les champions de France. C'est très très bien oui. Tiré. Ça a claqué. Champion de France traîne davantage dans cette partie, même 6 à 4. 6 à 4 pour les champions de France. 6 à 4, oui. Ah, Dylan perd sa boule. Ça va? C'est bien. Je laisse cette main, j'oublie tout. Tu peux. Quoi?
Voilà, encore un très bel appoint de Fabien. Ou un Caucasère. Caucasère. On n'a pas. Encore bien tiré de Dylan. Tout à fait. Orangina alors. Voilà, comme ça vous savez qu'on est des garçons très sages. Orangina. Ah oui, bravo. Toujours un très bel appoint de Fabien. Il n'aura pas beaucoup perdu beaucoup de boules jusque-là. Non. Toujours légèrement derrière. Comme on dit, ce sont des points bâtards. Oui, tout à fait. Et Dylan est aussi bien dans sa partie. Oui, Dylan n'a pas manqué jusque-là. Ah. Encore. C'est Dylan Nexon. Petit tir de Philippe Suchaud, c'est suffisant. C'est poussif. C'est on préfère quand ça claque, mais. Oui, mais il aime bien faire claquer sur les deux dernières mains, Philippe. On appelle ça le Suchaud Time. Suchaud Time, tout à fait. Il nous en a parlé d'ailleurs en interview juste avant. Et il dit, je ne sais pas comment ça arrive. C'est inné, il dit. Ouais, c'est ça. Et il a toujours été présent sur ces dernières boules. Très bien pointé. Et bien placé, parce qu'en tirant, ça peut contrer sur la boule de Dylan. Ah voilà, oui. Ça y est, celle-là elle a claqué. Elle a claqué. Petite boule. Ça se rétrécit pour reprendre le point. Aussi. Il y en a surtout deux par terre. Oui. Oh là là. Très bien pointé ça. Ouais, dans l'axe du bouchon. Oui. Ah voilà. Allez. Ouh. On va essayer de. On le voit encore. C'est mon caméraman qui est un petit peu. La boule a suivi le bouchon et tout à on fait. Se retrouve bien pointé de Philippe. Et ils ont peut-être deux points par terre en plus, les champions de France. La boule noire qui est derrière les deux là. Oh là, passé au fil de la boule, c'est bien pointé. Je pense qu'il va tirer pour l'addition, deux points. Moi je pensais que c'était la boule de tir de Philippe qui était. De Philippe Quintet qui était. Non, c'était la boule qu'il a tirée et qui a pris le bouchon au passage. Tout à fait. Qui se retrouve. Et maintenant il tire cette boule que Philippe Quintet vient de pointer en fond de cadre. Il doit tirer à deux. Fond de cadre, c'est toujours dur à tirer, en plus sa boule qui est un peu devant, c'est pas... un point de plus pour les champions de France. 7 à 4 pour les champions de France. Le bouchon a bougé, hein, on avait besoin du caméraman. Ah ouais, ouais. Allez, hein.
Casquette, point toujours pour les champions du monde. Encore et encore. Toujours. Ouais. Encore bien tiré de Dylan. Oui. Deux par terre. Pointer dans le bouchon, essayer de faire un bouchon pour sauver la main. Ah oui, encore très bien. Ouais. Mais pas dans le bouchon. Ouais. Encore bien tiré, trois par terre et trois boules à deux pour les champions du monde. Fait. Donc là, les champions de France se retrouvent un peu en danger. Là. Ça te prend une grosse semaine. Ce sont les Thierry Jouan et Jean-Michel Larquier de la pétanque. Ah, pour la décision de tir au bouchon. Ouh. La distance y était. Pour vous la une, je pense qu'il va retirer au bouchon de toute façon. Quitte à prendre une grosse semaine. Voilà. Là, je pense. Ça va être 6 pour les champions du monde. Voilà, 6 points. 6 points. Officiellement, tu dois pas les jouer. Normalement. Officiellement, tu dois les jouer. Non, non, ici, c'est bien sûr c'est une question pour. Si tu joues pas les boules, l'arbitre peut te disqualifier les 3 points de plus. Je veux dire un tournoi officiel. Voilà. Tu es obligé de jeter les boules. Hein. Tout à fait. Ouais. Même si tu dois juste les jeter au pied du rond. Ah ouais, tout à fait. Pointé de Philippe Quintet. Et encore bien tiré. Waouh. Très bien. Hop. C'est bien tiré. Le bouchon est parti en fond au cadre. Le point pour les champions de France. Et ils ont 2 points par terre.
points à 2 mètres. Et les champions de France sont tirés quand même. On est mal placé. Il a tiré. Tu peux dézoomer un peu. 3 points par terre. Et 3 boules à 3 toujours. Ce qui réduit Philippe Suchot pour gagner plus près maintenant. Tout à fait. Oula, oula, et voilà. Et ça, en voulant jouer plus près, il est sorti du cadre. Il est sorti. Donc, 3 points pour les champions de France par terre. Deux boules à Dylan Rocher et 3 boules aux champions de France en main. Belle reprise de Dylan. Allez Dylan contre Dylan. Oh oui, c'est très bien tiré de la part de Dylan Mitchell. Ah oui. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ça peut donner une boule de gagne à Fabien. S'il vient à faire carreau, ils ont gagné. Ça peut faire 7 et 6-13. C'est vrai. Pointé de Dylan, il est pointé le plus près possible de la ligne de paire, ouais, pour éviter le carreau. Juste sauter. C'était très très bien tiré, de toute façon pour faire carreau il fallait tirer comme ça. Bon, maintenant il faut la frapper. Il faut la frapper. Parce que ça serait moche de ne pas marquer cette main. Surtout qu'il tire toujours à 4. Hein. Eh ben c'est 7. Aïe. Ah, ouais. C'est terrible, hein? Ouais. Terrible, tu pars dans ton rond pour peut-être finir la partie. Ouais, ouais. Et finalement tu marques pas dans la main. Tu marques pas. Il est bon le bouchon. Il va être à 5 ans dans l'obstacle. Oui, c'est ça. Après, oui, c'est ça. On va laisser. Il a pointé de Philippe. Non, sur le côté, on ouvre le clapet. Chiquette. Il repart. Oui, il va retirer de toute façon. Voilà. Et oui. Donc voilà, 3 boules, je connais le monde, 2 boules à Fabien Marat.
je pense qu'il va pas faire beau, Philippe. Merci. Complète. Ouais, tranquille. il colle. Il remet ses mains dans les poches. Normal. Ouais, c'est... Voilà, c'est, faut pas le faire beau. Ouais. C'est ce qu'aurait dû, je pense, faire Philippe au départ. Ah, mais en voulant pas le faire beau, il est venu quand même à 40 de bouchon. Donc il va tirer quand c'est un point. Ça va faire un point pour les champions du monde qui vont monter à 12. Non ? Non. Ah. Si, ils ont fait un là-bas, c'est 11. Oui. 12 à 7. 12 à 7. Resté dans le cadre. Donc, au champion de France de Poitiers. À la faute l'équipe adverse. Ah, très bien. Oui. Le roi. Ouais. Le maître d'homme. Ouais. Pas droit, taper le bouchon, mais pas sorti du cadre. Quatre boules à 3. Quatre boules pour les champions du monde, 3 pour les champions de France. Et aux champions de France de pointer, donc ce qui peut donner 2 boules d'avance pour les champions du monde. Dans les mains et c'est parti. Très bien tiré de Bilal. Sans que le bouchon bouge, c'est bien tiré. Tranquillou. À ce niveau là c'est de l'art. Là, je pense qu'il va tirer au bouchon. Allez, on va faire un gros plan sur le bouchon. Il est déjà en gros plan. Allez, c'est
C'est parti. Je pense qu'il ne doit pas vous remonter, juste, non. Juste derrière. Hein. Voilà. Je crois que une boule à trois, ça va être dur pour qu'ils s'en sortent. Je pense qu'il faudrait un miracle. Je pense aussi. C'est repris. Et voilà. Ouais. Trois boules pour la gang. Trois boules de tir. Allez. Et voilà, c'est fini. Et voilà. Caro de Dylan, bravo. On peut dire. Ouais. Belle partie. Oui. Les champions de France ont mené tout un moment et. Ouais, ils ont manqué la coche sur cette ligne de fois. Ouais. Ils n'ont pas marqué alors qu'ils avaient une main de 4, voire 5 s'ils frappent, à la première. Peut-être même gagner dans la main. La sortie. Ils n'ont pas marqué et après ils ont perdu. Voilà. Ah ben en tout cas, un grand merci Fred d'avoir participé. Ça nous a fait plaisir. Voilà. Je pense qu'on a une meilleure connexion dès qu'on a pu trouver. Voilà. Merci à vous et puis à bientôt. À bientôt, à demain. Ouais. À demain. Grand merci. Allez, je vous fais un gros bisou à tous. Demain peut-être. Attendez, et voilà. Si Fred s'en va, on n'aura pas de connexion. Non, c'est là. Non. À demain tout le monde. À demain. À demain. Ciao. Voilà, voilà. Bisous à ma petite femme. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ce moment, très très belle partie. Champion de France, champion du monde. Ils ont gagné les champions du monde 13 à 7. Allez. Bonne nuit à tous. Bisous. À demain. Bon, là, je peux couper. Oui. La caméra s'est arrêtée ici aussi. Arrêtée. Alors, on n'avait pas mis sur courant. Ah ben, juste à temps, hein. Juste à temps. On n'avait pas mis sur courant, hein. Avec l'énervement là, j'ai pas le temps moi. Ouais, c'est pas grave. Bon. Qu'est-ce qu'on fait Demain tu me donneras ton portable. Hein. Qu'est-ce qu'on fait Ouais, je vais voir avec. On va déjà enlever les caméras, c'est vrai.